Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle paire d'écouteurs Oki. Donc c'est pas les premiers que je vous teste, ici on est sur le modèle EPT21S. Donc c'est des écouteurs qu'on va trouver à peu près 30 euros sur Amazon et on va voir ensemble ce que ça donne. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Jérémy, sur la chaîne Chinadic, je vous présente tout un tas de produits high-tech, principalement de marques chinoises, mais pas que, des smartphones, des tablettes, des écouteurs Bluetooth. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors niveau emballage, on reste sur le classique de chez Oki avec une boîte en carton pour limiter tout ce qui est emballage d'un point de vue écologique. C'est toujours bien pour la planète et on remarque que la boîte n'est pas trop grosse. À l'intérieur, on va retrouver un câble USB-C pour la recharge, des embouts pour trouver celui qui s'adapte le mieux à votre oreille. On aura donc un total de 3 tailles différentes en comptant ceux sur les écouteurs et un guide d'utilisation avec une partie en français pour vous donner les infos techniques et la procédure d'installation. Au niveau de la boîte, on a quelque chose d'assez compact qui va se recharger en USB-C. La boîte a l'air solide, le couvercle ne bouge pas comme ça peut arriver sur des écouteurs pas trop chers, plutôt un point positif. Pour les écouteurs, on est sur des intras, tout ce qu'il y a de plus classique, on va pouvoir les contrôler grâce au contrôle tactile. Une touche pour mettre en pause, deux pour changer ou revenir en arrière en fonction de l'écouteur, et deux tapes quand on vous appelle pour répondre ou arrêter l'appel. Pour la tenue dans l'oreille, ça tient bien, on fera pas du sport avec, mais ça permet de ne pas avoir peur de les perdre en marchant par exemple, quand on met son bonnet, quand on met son écharpe, etc. Pour les appels d'ailleurs, la qualité est correcte, hein, j'ai pas constaté de problème particulier. C'est pas exceptionnel, hein, mais votre interlocuteur pourra vous entendre très bien et par rapport au prix, bah, ça correspond à ce qu'on a d'habitude. Niveau caractéristiques, je vous affiche le tout à l'écran, on notera un temps de charge d'1h30 du boîtier pour une autonomie d'environ 3 heures. Les écouteurs supportent plusieurs codecs, tout ça, donc je vous ai affiché tout ça si ça vous intéresse. Niveau son, j'ai trouvé ça très correct pour le prix, le son est équilibré dans les différents styles de musique que j'ai pu écouter. Après, j'ai toujours du mal à vous parler de la partie son parce que d'une personne à l'autre, ça va varier. Du conduit auditif, de la façon dont on met les écouteurs, ça va varier. Et en plus de ça, si vous aviez déjà un casque avant ou des écouteurs plus chers ou autres, vous allez peut-être trouver la qualité plus ou moins bien. Par contre, point positif ici, c'est qu'on les trouve sur Amazon, donc vous pouvez toujours les acheter, les tester. Puis si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez toujours les renvoyer facilement. Donc ça, c'est un des gros points forts. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire sur ces écouteurs. On est sur des écouteurs assez classiques. On va pas avoir d'application dédiée qui va vous permettre de faire d'autres paramétrages ou des choses un petit peu plus avancées. C'est des choses assez classiques qu'on va avoir là-dessus. Les fonctions de tape fonctionnent très bien. Le fonctionnement en ensemble marche bien, à la fois sur la partie son, à la fois sur les appels aussi. J'ai pas eu de problème avec la personne que j'ai appelée pour qu'elle puisse m'entendre. La marque propose pas mal d'écouteurs dans cette gamme de prix et jusqu'à présent, jamais été déçu. Les différents tests que j'ai pu lire ou voir sur ces produits de façon générale sont toujours bons. Donc ça reste une marque sûre finalement et qui coûte pas très cher, donc c'est ça qui est super bien. En plus de ça, comme je vous le disais, on peut la trouver sur Amazon, donc dans tous les cas, si vous étiez amené à être déçu, vous pourriez les renvoyer sans problème. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se voit à très bientôt.